Marseille, un vieux port, la célèbre Canebière, mais surtout depuis 30 ans, un festival de cinéma, le FID. Le festival initialement était documentaire et depuis maintenant de très nombreuses années accueille absolument tous les genres, l'animation, la comédie, le drame. On avait en ouverture un film qui est une espèce de western qui se situe au Maroc. Donc l'idée, c'est la générosité. Le temps d'une semaine, plusieurs cinémas de la ville mettent à l'affiche 125 films et il y en a pour tous les goûts. Un savant fou et japonais, d'étranges expériences sonores et l'apocalypse nucléaire. Ou le magnifique Chaos de la Syrienne Sarah Fatahi, le portrait croisé de trois femmes. Le point commun entre mes trois personnages, c'est le traumatisme, les conséquences de la guerre et la perte des êtres chers. And of course, losing like loved ones during the war. En Algérie, êtres humains, animaux et éléments naturels tentent de retenir Saadi, de creuser sa tombe. J'avais même pas besoin de mettre de dialogue, j'avais besoin de rien en fait. Et ça, quand on se retrouve sur ce territoire hein, qu'on fabrique ensemble, ce paysage qu'on fabrique ensemble d'êtres humains, d'animaux, de montagnes, en fait, tout est tellement donné. Qu'est-ce que tu veux faire? On détermine des petites choses, mais elles sont vraiment dites. Au cinéma, plus que dire, il faut apprendre à faire. Ce concombre habituellement si inoffensif dans vos assiettes, c'est pourtant le méchant monstre de cet atelier sur les techniques d'animation. On a pris une photo. Tu peux rebouger le concombre. Ok, on va regarder ce que ça donne. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé à faire un stop motion. En gros, on a à chaque fois pris un personnage, ou plusieurs, on l'a mis sur le décor, et puis pour chaque image, ou chaque photo, il fallait un tout petit peu le bouger, pour qu'à chaque fois, on ait l'impression de mouvement. Enfin, pour cette 30e édition, un hommage a été rendu au cinéaste Bertrand Bonello, récemment à l'affiche avec Zombie Child.